ses déplacements en Grenon. Non, non. Comité de gestion et de l'Haïti, ensemble de 19 régions Patia, cellule d'analyse permanente politique Patia, moi remercier nous. Et je dis à MTV à prendre la parole pour parler avec la presse dans un contexte qui est très difficile dans le pays. Nous avons songé, récemment MTV était passé par au moment d'épreuve. Il y a des gens qui ont même pensé que MTV était deux MTV. Il y a des gens qui ont des doutes est-ce que MTV a beaucoup de pouvoir ou pas, est-ce qu'elle est un Batman ou pas. Nous avons besoin de temps pour nous réorganiser Patia après l'émission du Dr Goulos de résidence Patia, mais toujours été membre. Et au moment ça, nous réussissons. Patia Jotia, il relance dans 19 régions nous et membres nous plus que jamais déterminés pour participer, continuer, contribuer, engager dans la bataille pour le changement dans le pays. MTV a signé un accord. En septembre, c'était un moment douloureux pour nous. C'est une épreuve que nous passons, et que nous devons sortir d'un accord à plus bonheur. Mais nous faisons un moment côté qui était bien approprié pour que nous soyons capables de garder la cohésion interne en deux parties. Après environ 3 mois d'observation, depuis janvier, nous avons pris la parole dans la presse, nous avons sorti notre presse. Nous avons regardé le comportement du gouvernement et signataire accord 21 décembre. MTV n'a pas signé accord 21 décembre. Mais MTV Jodia l'a constaté avec consternation que le gouvernement Premier ministre Ariel Henry a dirigé est totalement dépassé par les événements. Il n'est pas même capable de faire montre de volonté ni capacité pour porter réponse appropriée à problème pays à faire face aujourd'hui, notamment problème insécurité. Nous pas même besoin de dire, nous pas même capable parler de est-ce que capable élection dans fin année. Depuis nos conditions que l'accord était comporté en stratégie 180 degrés, c'est-à-dire que vous partez dans ce cercle-là et vous pas tenu compte de lui. C'est un accord qui conclut entre nous qui partage presque le même point de vue. De comment le pays attaque à diriger aujourd'hui à transition. Et nous voyons que c'est eux-mêmes qui continuent qui ont espace pouvoir. Et je dis, après environ, puisque environ 4 mois de retard d'application à quoi nous avons tout simplement dit, condition par réunie, où le pays attaque à faire de bonnes élections dans la fin d'année. Haïti a besoin d'élections pour les sortir dans la transition. Mais Haïti surtout. Besoin de bonnes élections, pour après élection nous allons tomber dans une crise post-électorale. Pour après élection, le pays a capable de faire expérience de stabilité politique, de bonne gouvernance. Le pays a, surtout aujourd'hui, a besoin de faire notre expérience politique et non ça que nous connaissons depuis les 30 dernières années. Je dis à MDV constater toujours, avec douleur, que le gouvernement Premier ministre Ariel Henry a entendu, il a toujours continué à croire que sans consensus large et réel, il est capable de continuer à diriger le pays. Alors que l'éclair, dans le comportement MTV, depuis 2019, il y a un comportement qui marchait avec cohérence. Nous avons toujours dit, solution PIA, une grande entente nationale, dans un consensus large. Côté que classe politique, la société civile organisée, la classe des affaires, nous capables d'entendre nous pour nous connaître comment nous avons dirigé la transition. Et vous ne devez pas jamais souhaiter que la transition que nous avons vécue là, c'est lui-même que la population a été connue. Côté que le problème de sécurité n'a pas adressé tout bon vrai. Côté que le problème de corruption n'a pas adressé tout bon vrai. Et la gouvernance, c'est une gouvernance qui braqueuse. Un gouvernement qui en manque d'inspiration et qui n'a pas gagné légitimité. Je dis, on a constaté que la population l'a délogé violemment par gangio qui contrôlait les dépens entiers dans le territoire national, particulièrement dans la zone métropolitaine pour le président et dans la balade. Il a assassiné, il a pillé, il a volé
et a violé paisible citoyen yo. Yo instance bien moun dans la plaine, dans Forjac, dans Pernier. Nous voulons dire à tout le monde que MTV a des règles pour prendre souffrance et rester bon côté population. Dans le moment côté que l'insécurité alimentaire a fait rage, l'inflation bat son plein. Entreprise a forcé fermé, il a renoncé à l'activité parce que la situation n'a pas permis. Tandis que l'institution enseignement supérieur, l'école, l'hôpital, l'autre structure de santé, il a fermé les portes au fur et à mesure. Je dis à MTV dit non, situation ça pas à continuer. MTV voulait marier voile avec des millions de compatriotes nous qui souffrent chaque jour. Pour nous dire gouvernement, on peut lancer aujourd'hui un message clair à pouvoir ça. Soit nous assumer responsabilité nous, dans ta foutre difficile ça, dans le moment exceptionnel ça pour Haïti a connu aujourd'hui à l'histoire, ou du moins nous remettre clé à la classe politique là, ceux des civils organisés là, tout respect à la force du pays là, nous prenons dégager un consensus ensemble pour nous prendre toute direction que nous avons par pays là. Et je crois que il y a évité à pays là qu'on ait des heures sombres encore, des années, des mois, des semaines et des jours, côté que c'est avenir, en bonne génération, jeune femme, que nous avons continué à hypothéquer. Je vais rappeler pour tout le monde que MTV est un parti démocratique. D'ailleurs, en deux parties à même, son ambiance démocratique qui régnait, qui croit que le peuple là, c'est sous toute légitimité politique et que l'État de droit, il chita sous respect la loi, respect normio, respect constitution. Je dis à face à l'urgence qui gagne pour nous rétablir au niveau acceptable de sécurité dans le pays, restaurer l'ordre démocratique, faciliter un retour au fonctionnement normal de différentes composantes dans la société haïtienne, MTV a proposé. Premièrement, pour nous créer une structure stratégique de conseil, d'évaluation et de consultation qui composait d'anciens ROCAD dans le PNH. Ancien ministre qui était dans le CSPN, l'autre spécialiste dans la question sécurité. Cette structure apportera sa contribution patriotique pour l'élaboration en urgence de plans de sécurité. Conseil ça, il est capable de jouer un rôle important tout dans le déroulement de tout sommet ou assise sur sécurité qui est capable de faire dans le pays. Deuxièmement, et c'est ça MTV a demandé depuis 2019, pour nous lancer un programme de vertine au sein de la police nationale avec appui technique, experts nationaux et internationaux. Processus ça, il doit tenir compte de besoins pressants pour nous rétablir sécurité sur tout territoire national. Troisièmement, MTV propose qu'on recherche auprès des partenaires internationaux les moyens logistiques adéquats et suffisants pour nous mettre le plan ça en application. Quatrièmement, former en urgence avec le soutien technique de vrais partenaires de la PNH, un corps destiné uniquement à démanteler les réseaux de kidnappeurs et d'autres réseaux de délinquants à col blanc. Rendre fonctionnel DDR, démobilisation, désarmement et réinsertion. Pour finir, engager une réforme judiciaire et un renforcement considérable des structures pénitentiaires par la mobilisation des ressources nécessaires. Sixièmement, créer, en attendant que nous mettions en place un service d'intelligence nationale réel, un système de coordination qui a facilité échange et efficacité en différents services de renseignement qui gagnent dans le pays.
Sincèrement, pour finir, inviter ensemble de personnalités qui sont capables de sortir dans le milieu politique, social, universitaire, économique, religieux, culturel, PIA et la diaspora pour travailler dans un esprit de concertation pour nous capables de réaliser ça que feu Dr. Tunel Delpé qui fait ville d'habilité pour l'IA, la conférence nationale. Il y a des gens qui relèvent la conférence politique, il y a des gens qui relèvent le sommet politique, il y a des gens qui relèvent l'assise nationale. Mais quelle que soit la façon que vous êtes capable de relèver, je dis à l'éclair pour tout le monde que le pays a, c'est un bateau qui sous la mer, qui sans gouvernail, qui sans capitaine. Et c'est destiné nous. Et ensemble, la classe politique, le secteur des affaires, la société civile organisée, la diaspora haïtienne, un peu partout à travers le monde, MDV devait lancer un message solennel pour nous. Pour nous rejoindre ensemble. Nous avons commencé par créer un comité de concertation. Nous avons commencé par créer un forum de discussion sérieux entre nous. Mais une chose qui est certaine, je dis, le pays est en danger. Il y a un cyclone qui est annoncé sous le pays. Cyclone politique. Nous ne croyons pas que le pays apparaît pour que nous fassions face à plus de désastres encore. La crise politique a fatigué tout le monde. La crise politique a duré trop. Je dis à l'élite de face à la responsabilité, et particulièrement l'élite politique. Là. Faut que nous suspendions jouer avec le pays. Faut que nous prenions le pays au sérieux, je dis. À. Et c'est appel ça, nous-mêmes, nous voulons lancer. Nous n'avons pas de prétention pour jouer un rôle particulier dans la gouvernance du pays. Nous cherchons poste Premier ministre, chercher poste direction générale, ou bien chercher poste. Ou bien chercher poste ministre, ou bien en collectivité, MTV voulait tout simplement que le pays soit capable de prendre rail, que l'école, l'université, l'hôpital, l'entreprise soit fonctionné bien. On a fini pour nous dire, le moment est venu pour que chaque monde, surtout dans la classe politique, là, nous renoncer à l'intérêt individuel nous, au profit de l'intérêt collectif. Le moment est arrivé pour sacrifice. Bon moment arrivé pour nous garder jeunesse pays. Pour nous garder Madame Sarah aujourd'hui, qui n'a pas qu'à vendre produit, a perdu et en pile marché. Tant pour Titanien, tant pour poil et boussal là, tant pour sacté dans le permier, sacté dans le frère. Et bien marché Sarah aujourd'hui, presque pas existé encore. Son pays t'a souffert, nous voulons assumer responsabilité historique. Aujourd'hui, nous-mêmes dans MTV, nous lançons pas le monde. Nous parlons pour consensus. Nous parlons pour nous faire dépassement de soi. Nous parlons pour que nous mettions intérêt personnel, intérêt parti à deux côtés. Et que je dis à ensemble, on voit le pays et on cherche la solution concertée, négociée pour nous sortir de notre crise. Premier ministre Ariel Henry, je vais adresser avec vous pour finir, pour nous dire, je dis à vous gagner, vous pouvez bravo. À tout le monde pour gagner, pour ne pas fermer les portes à personne. Moun. Et vous gagnez pour que vous montrez tout bon. Ou à la hauteur de moment ça, à 72 ans, qui gros sacrifice vous capable de faire pour le pays, c'est facilité que nous venons consensus pour que, après des années, l'histoire a dit à un certain moment, comme d'autres sociétés intelligentes, nous-mêmes tous, dans la classe politique là. Et avec tout respect, il y a, nous devons faire un saut intelligent. Merci. Monsieur Kassi, une autre question, il m'a passé le micro à... Mandelil, gros vicieux. Mandelil, il n'y a plus gros corrompu que le pays a ronné. Sosim là. Oui. Parce que monsieur dit le tandem, avant d'aller en prison, c'est pas vrai. C'était dans un petit bureau tout coincé, moi j'étais venu à Kaipia Espérance. Avait dit, pas de bagaille paquet, m'arrête ça à le paquet. On grand juge qui a dit le tandem, trois juges qui a dit le tandem. Pierre Maxime, okay. Même que lui a été menti pour le défendre, d'accord, chef là. On chef pas demandé excuse n'importe comment. Ok. On comprend, m'habitue à chef très bien. Ok. Mais lui a 80% vérité. Okay. Pierre Maxime. La Mabelise a 100% vérité. Avec
juge Bernard Saint-Ville. OK. OK. Il y a plus gros bagaille que me poko dire là toujours. Non, on a travaillé là, on a travaillé. Parce que me était supposé libérer depuis en 2020 okay. après blanc mandé libérer. OK? Après blanc écrit gouvernement haïtien même. OK. Il dit il pas joindre rien contre nommé Chelson ça non. Si nous gon dossier national pour lui que nous juger pour nous libérer mais ça nous mandé me faire me pas ca faire parce que me pas rien pour lui. OK. Et yo même dit yo même dit que yo pas pral mande m'excuse c'est ça que fait ou pas extrader moi dit si on pas mon dossier pour nous nous même nous pas faire mentir dans justice pas nous extrader pour vérité à bail yo dit Michelson grande façon pour nous extrader faut accepter témoigner contre Lambert comment maman département d'état donc target là c'était ça yo dit yo rivon côté dit Michelson nous conscient que innocent nous même nous pas faire mon habit mais Lambert pas innocent. Yo t'a pas qu'était sous deux parlementaires. OK. Joseph Lambert et Edwin Daniel Zeni. OK. Diedo Zeni. Yo fait une enquête Edouard depuis sous 1 an. Tout reste enquête la Chelson Sano et Joseph Lambert. Malheureusement. Donc c'était ça qui cible Pierre Espérance. Oui, mais mon était qui pour problème dans était Lambert. Mais c'est Pierre Espérance qui pouvait commencer dossier là. Qui pouvait commencer. Sous Lambert avec Edouard Zeni pour le mener le bail blanc. Pour le mener le bail blanc. OK. Mais moi fait Pierre Espérance parler. OK. Me fait parler parce que c'est bon qui trop l'esprit. OK. Il va trop connu que ça. Yes, bien sûr. Yeah, il juste profiter de naïveté, me faire une méchanceté mais pour nèg qui vraiment cadre. Faut parler, sortir. Monsieur expliquez-moi. Il gagne problème avec Lambert pour Abolotio. Parce qu'il pas de cafin entendre avec Lambert dans dossier madame Maninga en face Matéli pour le faux filage jeune Matéli. Il dit blanc mandé l'information sur Lambert longtemps ça. Li kon Lambert pa prop li kase fè kouri kite sa pou li koun a pou Lambert bal kou sa misye te gen problème que Joseph Lambert te conseiller spécial président Matéli égal à Lambert et Dozeni te victime parce que yo te bon côté Matéli et puis c'est là ça là prend dossier li commencer dossier avant li commencer dossier oh maman monsieur te gen gon dossier Yuri tap nan même chose ça chaque problème Yuri tombe Lambert tap tombe là dans le tout c'était des nèg que yo tap target ensemble. OK. Yuri te conseil spécial tout dans moment. Oui. Malheureusement, Marie-Hélène Gilles et Pierre Espérance senti que au pral lanti soulier yo pour yo parler de yon mort. Malheureusement même qui mort ça. C'était deux moun qui t'a parlé témoigner notre yo t'a parlé prendre pour témoigner notre ça dans dossier ça. OK. On pas gain identité l'autre moun non. Pierre Espérance et Marie-Hélène Gilles connaît le moun nan mouri. OK. Kounya maintenant façon moun nan t'assemblé mouri a gèlè pa clair. OK. L'LNP avec Yuri avec Pierre Espérance Père, yo retiré non Yuri. Son rapport yo retiré non 3 moun là-dedans. Puis t'a l'accusé Yuri tout. Oui. Nan même bagay donc là, visité kon l'autre moun ki t'a pas témoigner contre Yuri tout, yo t'a kété meté non le tout. OK. Son rapport que yo retiré non plusieurs moun. Yo retiré non Jude Célestin. Parce que RNDDH ki m'en lié, comment lié? Si yo met ton dossier sous dos de pour payer après retiré non. De vous payer? De vous payer après retiré non. OK. Jude candidat à la présidence. Sozim là. Jude candidat à la présidence. C'est Mario Bovoa qui a le problème là. 3 millions de gouttes dans le Jude Célestin pour retirer non. Qui ça? Ouais, Mario Bovoa qui a le problème. Jude Célestin. Mario Bovoa qui a le problème 3 millions de gouttes dans le Jude Célestin. Pour retirer non Jude. Pour retirer non Jude dans le rapport RND. Dans le rapport RND. Parce que Jude, malheureusement, je ne vais pas faire secret pour vous. C'est bon crime que vous faites. Tout. Très bien. Ou parler non cité, ou faire scandale, ou juste retirer non. Mais Lambert Peng. Li pa paye, yo frappe. RNDDH pa mordé en ken moun définitif. Yo annoncé tout moun yo pral frappe. Ou pa paye, bwana moun. Mais comment le dire? Okay. Nèg ki pa trop courant relé dozeni. Parce que yo pèl parce que yo di monsieur son nèg ki la yo balé la ville yo. Mais yo konn Lambert kabagay bon. C'est comme ça. OK, on avance. Et puis Yo fin écrit gouvernement haïtien qui est-ce qui recevra la Lipmanelil qui connaît Minosan li pa honte li dit que li té tandem nan paquet alors que c'est menti c'est pas jambe vrai li pa jambe tandem li pa jambe tandem moi démentil et moi moi ka parler de tout monde pour répondre mais Lipmanelil les jours que li répond youn nan sa ke me dit de li yo m'pa jambe parler encore. Okay. Et même condamné pour marcher répondre tout vagabond habillé qui voulait faire tête passer pour bon monde dans société. Bien. Pierre Espérance pas bon monde, Luc Mandelil pas bon monde.
son nèg chaque fois besoin poste là critique moun ki non poste al bay consultation moi même clôture consultation Luc Mandelil. OK. Sos pays a pas gen place pour bay consultation encore parce que moi même moi été moi gen preuve gen élément moi gen argument que Luc Mandelil pas bon moun son nèg qui participe non paquet vie tintin Luc Mandelil. Yeah, il pas non paquet vie tintin pour faire l'argent. OK. Et puis tout en après pour le comprendre, il est capable dire n'importe quoi de monde, genre, quel besoin ministre de justice, quel besoin commissaire gouvernement, pas comme ça. Chelson, ça nous clôture, mais c'est pas caché encore. Ok. On avance. Après 8 ans. Ok, allez-y. Après 8 ans, je me sens que je ne suis pas capable encore. Je suis relé 11 ans, je suis parlé national. Je me dis, mon cher, comment je suis capable de faire parler à président? Parce que je reconnais lui, nous avons parlé, je pense que je suis capable de libérer. Moi me pas libéré, bon prend en chance mandé le fond bagaille pour moi. Et puis moi relé président Jovenel Moïse. Président Jovenel Moïse. Très bien. Il pas connait numéro, il pas répondre mon texto pour lui. Me dit bonsoir président. C'est Chelson Zanon, s'il vous plaît, est-ce qu'on ka bon mon petit chance moins que 2 minutes pour me parler avant. Non moins que 2 minutes, il tourne m'appelle. OK. Il dit m'toro, ça qui passe dans pays a, me dit oui m'la. Moi dit m'en prison, il dit oh moi j'ai chabat la gueule. Il dit, je ne peux pas parler de mon dossier, ça finit, je ne peux pas parler de mon pays. Je dis, le président est toujours en prison. Il dit, je suis en prison, je suis en prison, quoi des bouquets. Il dit, je suis sous ligne. Il est le sénateur Lambert. Pendant que je suis sous ligne, je suis en prison. Il est fusionné à l'appel. Il dit, Joe, est-ce qu'on rappelle un petit bonhomme ça, Chelson Zanon? Sénateur Lambert dit, oui, le fameux Chelson Zanon. Lui dit est-ce que c'est vous même qui empêchez Chelson Zanon libéré parce que monsieur relèm moi me vlei d'il. Sénateur Lambert dit moi pas gain rien, par contre Lambert connaît si me te souligne non. Même te souligne non. OK. Lui dit sénateur Lambert dit moi pas gain rien avec Chelson Zanon. Moi même moi pas donné monsieur. Si c'est pour moi la justice te mettre libéré monsieur déjà et me ta remé lumière faite sur dossier. Mais si c'est pour moi pour Allemand non j'ai libéré mais c'est pas bien ça non même. Il n'y a pas de juge libéré. Très bien. On va condamner ça. Très bien. Donc, et puis, président Relé Edo Zeni tout, sénateur Edo. Ou souligne toujours? On va souligner Edo, ça c'est lui qui dit qu'il était venu Relé Edo en après. Très bien. Et puis, il dit que Relé Edo, Edo dit pas de problème avec lui toujours. Donc, il n'y a pas besoin qu'on est si coupable ou innocent. Il n'y a pas dit qu'il prend la game. Mais il pral mandé pour la justice tant des dossiers non parce que trop temps ouais dans prison que m'a jugé elle te dit m'li ta remé kon ki sa dossier non il dit mon cher m'pa gétan pou m'parler avant m'a voye moun koto ou pa la moun nan. OK. Deux jours après moi recevoir appel ancien premier ministre Joseph Jout. OK. Qui dit m' c'est nèg président moi dit oui li dit m'gon juge de paix k'ap vinn ou pa parler avec juge de paix moi même moi pas qu'on a un bar avocat président mandé mon service pour moi dit merci excellence JDP a vinn wèm deux jours yo crible président bakout bal mais raison qui fait que moi pas gétan libéré. OK. Après moi relé PM nan PM jout mais li pas PM en fonction non. Oui c'est Claude Joseph qui t'est PM pas connait raison si c'est lui président t'est plus à l'aise qui fait le demander faire jonction pour moi au niveau tribunal là mais c'est monsieur Claude Joseph qui t'est PM en fonction. Moi tant après funérailles, moi retourner le PM jout. Moi dit PM, ah, nous prend courir. Et me penser moi ça affecte me plus toujours parce que c'est seul monde qui t'a décidé d'aimer et c'est lui qui t'a mettre sous moi ou pas reconnaître moi, moi pas quoi aucun bémé avec moi. Il dit Michelson, bon me dit un bagaille. Moi pas connais ou pas connais. Mais pas gen on côté mon aller étudier premier ministre présidentiel dans élection il remporté élection ni donc il était fait choix de moi il était fait premier ministre moi respecter président même dans cadavre même Jean président te dit moi pas vraiment délibérer mais m'a demandé juger m'a kembe dossier ou connaît il pas fan même ouais a toujours gen timon de lagué ouais monsieur. Ya, tout get, lem bare le li parfois li blye, faut que moi fè le songe et en pile fois tout m'pa gen accès à téléphone. Fami me contacter, te yel te lis, yo parle avec li,
madame moi vini ici en contacter ensemble avec Isaïe César, nous bal parler pour moi et puis tout dossier a frappé Teriel Kembe dossier red Pierre Espérance tombé mandé me négocier en prison. Pierre Espérance commencé mandé me négocier. Commencé mandé me négocier. En prison. Qui forme de négociation? Premièrement, c'est offrir l'argent, c'est offrir liberté pour me pas traîner dans saleté ça en bas du tribunal. OK? Saleté ça en bas tribunal là et c'est là malheureusement, il y a une série de juges qui fait service qui va faire service l'état. Qui va faire service la justice. Qu'on a qui ça passé entre même avec Pierre Espérance. Moi qui t'ai le vide devant lui. OK? Parce que avant ça, moi-même, depuis sous 2 ans de prison, j'ai accès à un téléphone dans la prison. Ok. En cachette. Ok. Moi, le Lambert m'a demandé l'excuse. Ok. Moi, le Edo m'a demandé l'excuse. Ok. Lambert, qu'on a fait parler avec moi avec dans la série. Ok. On est que dans le genre parler avec moi, je vais faire confesse pour me rencontrer. Ok. Parce qu'il toujours reproché, lui montrer que je me fais mal. Ok. Mais sénateur Edo, moi, toujours qu'un bel serré. Très bien. Moi, faire une toute preuve quand je vais négocier avec l'espérance. Très bien. Ok, sénateur Edo gen preuve, moi fusionné appel yo avec lui, moi fait entendre tout bagaille, moi tout message ba li, côté que Pierre Espérance a négocié avec. Malheureusement, li gon série de gros journalistes qui défendent en face mais parce que mayen kòb. Ok. Re mayen kòb, m'a rappelé et c'est pas matin débat, c'est pas Gaël Diesel, c'est pas Tiguel, c'est pas Omanes. Malheureusement, m'a rappelé yo. Ou te parler de Pamela White. Oui, yo fait rencontre Pamela White. Pour le qui ça? Et Pamela White rencontré lui dit moi monsieur Sanon, est-ce que vous prêt pour collaborer avec les États-Unis? Moi dit pas de problème. Il dit mais est-ce que vous connaissez si vous faites nous fait Tintin, il y a un gros impact sur la famille? Moi dit bon pas au courant, on va pas prendre moi. Pamela White m'a pas la voix. Ouais. Il dit est-ce que vous connaissez que ou gain petit aux États-Unis? Moi dit je n'ai pas un petit peu aux États-Unis. Je n'ai pas un petit peu qui est dans le pays. Il dit comment ça? Je dis que les petits peu sont américains. Il est dans le pays. Il dit maintenant, vous connaissez les origines haïtiennes. Je dis maman, fait États-Unis, fait États-Unis. Ouais. Je dis que je ne connais pas si je suis mal placé pour me dire ça. Je dis que les petits peu sont américains de sang. Ouais. Parce qu'il fait sur le territoire. Je ne sais pas côté origine dans ce pays. Il dit de toute façon, si vous faites nous faire un temps, nous avons déporté la famille. Il dit bon. Pamela White, oui. Ouais. Claire comme ça. Claire. Il dit malheureusement, si vous faites nous faire tenter, nous déporter famille. Ça a été besoin de vous. Juste pour me reconnaître que ma pote est drogue pour Joseph Lambert depuis 2005 jusqu'à 2013. Donc pour te reconnaître rapport. Ouais. Et il dit, moi, pas passé plus que 2 ans en prison sous protection et côté qui est habitué à mettre des gens qui jouer rôle ça déjà aux États-Unis avec Haïti. Maintenant c'est lui à l'aise comme dans chambre d'hôtel. Et ça qui pire, il y a le prendre dans prison, il fait me passer 9 jours dans l'ambassade là, dans chambre de luxe. 9 jours. Ambassade américaine là. Ambassade américaine dans chambre de luxe. C'est quoi les gars sont fait là, ouais, c'est pas. Pour prouver me comment que me bral à l'aise. Yeah. Seulement bad gars ça téléphone. Moi dans l'ambassade là m'attendé à parler d'extradition extradition chez son zano. Malheureusement, pas qu'à démentir. Moi non mais mon yo, m'bagaille avec sa téléphone. Ou non belle chambre hôtel, belle bagaille. Bon, m'pas contre si c'est hôtel. Non, belle chambre l'ambassade là. Oui, bah normal, jacuzzi tout bay. Tout côté me virer ses miroirs. Belle bagaille. Belle cabane. Manger ça me plaît. Et puis malgré tout ça, moi qui ai même déclaration, Joseph Lambert était convaincu que me mettait dans situation là. Ouais. Si c'était dossier PAM, déclaration PAM, yo t'a utilisé contre Joseph Lambert, moi pas ta Haïti avec 9 membres dans famille qui pi proche avec moi même. Bien. Parce que yo t'a demandé 9 moun pour yo aller avec yo avant moi t'a dernier moun qui aller. Yo t'a gitan bon garantie que moun ça yo pralé mettre seulement dit yo m'a collaborer. Yo dit Michelson seulement promettre nous que n'a que va collaborer avec nous. Yo capable arrêter donc Joseph Lambert. Nous praler avec 9 moun nou yo, ou dernier moun dans famille que nous praler. Et yo t'ai même dit Lambert pas même connait si c'est pour dossier pas parce que moi pral faire prison, m'a libéré après libération c'est là ça va arrêter Lambert. A dit en façon pour le pas connait.
Mwen di c'est gros déclaration fait là. Mais déclaration ça c'est Papa Miller Wright, c'était département d'État. Il dit une différence entre les ambassades la Vinwem entre les DEA Vinwem. Ouais. DEA c'est enquêteur, Papa Miller Wright fait ofio. Département d'État plus professionnel. Très bien. Yo plus à mener enquête. Au contraire, on ba aux informations qui fait au saisie parce qu'il était yo trompé au des Pierre. Instance qui voye, yo pas contact Pierre avec yo direct. OK. Yo pas connaît si dossier a gen mensonge. OK. L'aime dit au dossier a gen mensonge, yo saisi. Au contraire, Pierre gen enquête pas, il a mené sous lit. Bien expérience. Ouais. Dans moment là. Oui. OK. Li gen enquête pas parce que États-Unis, li gen il supporté par le Canada maintenant. OK. Parce que mais États-Unis déçu de li, li ba au menti déjà, li ba au démenti, ça c'est Peter Brown, un enquêteur qui tande mio. OK. Comme ba aux États-Unis. Qui confirme ça? Qui confirme même que Chelson, désolé. Ou puis grand passé, moi puis grand musée, son jeune petit garçon. Et monsieur Pierre Espérance induit nous en erreur deux fois. Les mêmes rennes qui nous fait mon abus. Nous obligé chercher l'autre dossier pour nous pas trouver nos situations pour nous mais pour nous capable condamner monde au lieu que nous mande excuse. OK. Ou connaît les jours que nous mande excuse n'a perdu valeur nous. Ouais, valeur, nous son peuple moral. Nous obligé condamner monde dans même gens. Nous obligé condamner monde là. Mais dans cas par là bon Dieu fait c'est pas nous qui t'ai arrêté, c'est haïtien qui a arrêté ou. Pour nous ou pas dans prison. Yo mandé nous tendez ou n'a tendez ou. Mais nous pas extradé ou. Si nous extradé ou arrestation commencé depuis jour noir extradé ou là. Nous obligé condamner aussi dans la veille. Parce que yo pas voulu arrêter tout monde pour pas condamner. Yo tenace chaque monde qui a arrêté faut on est coupable. Ouais, clair. Yo dit dans sens ça donc n'a limité information que n'a prendre en monsieur Pierre Espérance pour lui pas faire nous faire même erreur dans dossier Guy Philippe là. Mais comment on va connaître information Guy Philippe? Guy Philippe là, très bien. Yeah. On le dit Guy Philippe selon audition qui au fait même monsieur Guy Philippe innocent. Donc c'est Pierre Espérance qui mettait Guy Philippe dans prison. Yeah. OK. Et Pierre vient négocier avant. En pile. Et comment ça a passé? Donc moi dis non. Moi dis monsieur négatif. Et si après près de 10 ans en prison. Les négociations elle presque 10 ans en prison. Les tégel kembe red li pa jam la gè monsieur parce que chaque jour tégel frappe pour moi. Monsieur allemand de tégel négocier. Li mandé tégel rencontre. OK. Les tégel mandé libéré li mandé tégel rencontre plutôt ouais depuis les gars l'argent mandé rencontre ou on qui ça veut dire. Très bien. Li pa défendre li. OK. Il pas jamais défendre tête, il vous le dit. Non mon cher, il dit monsieur Pierre. Moi j'ai un pile respect pour RNDDH et ou même en particulier. Moi respecte travail, on va le cracher sur travail. Mais parmi tout dossier que on traité, moi j'ai preuve avec évidence que gon dossier que gain un pile menti la donne Pitia innocent. Créer une façon pour libérer Pitia qui a coupé dans prison. Il dit Teriel relève pour nous font-il parler, nous voulons rencontrer vous. Mes messages là. Ok, tout message là. Bien, mes là. Ok. Mes messages là. Message Michel avec moi. Même quand elle veut pas moi, nous voulons pas aider Zénia Teriel Delis. Ok. Parce que moi je voulais aider une preuve tout que innocent. Correct. Parce que gagner des journalistes pour une raison ou une autre. Correct. Moi c'est type pauvre malheureux. Excusez-moi, c'est journaliste. Bien. Mais Teriel qui est venu dans mes deux parrains même. Bien. Qui a crasé. Très bien. Qui a fait me passer comme un bête noir devant non mais là, là nous font émission pour l'histoire et la vérité. Ouais. Et bon, avec un pile bah quoi soit Dieu là, c'est menti. C'est pas menti, bon avec un pile excuse que m'gain pour la presse. Les on grand journaliste en presse là aidem moi a dit la presse. Très bien. Bon journaliste cap frappe red. Li pas connaît si innocent. Li comprend monsieur Moun Lambert vrai. Avait dit me connait porter drogue, li pensait me gagne comme. Monsieur madame 4000 dollars américains pour faire ça Teriel fait moi. Qui vient avec ça? Pour respect pour la presse, m'a cité non, mais m'a dit liade. OK, très bien. M'a dit liade. Merci. Monsieur dit, l'aime dit pas gain cob. Il dit frère, c'est ou nous bien l'autre. Relé Lambert. Dit bon Lambert, il me parce que Pierre Espérance mouton dossier côté que me témoigner sur nèg là, contre nèg là. Kouno dit bon dit Lambert relo. Lambert pral payer 4000 dollars pour moi. Il dit mais nous l'autre, pas contre ça nous l'autre l'a dit. Oh. Dans des bois dans Boudachelson. Bois dans Boudachelson. Juste qu'on a monsieur a présenté moi comme criminel. Moi saute dans département, moi yo accueille comme une victime.
un journaliste dit que mon tué plus que 250 moun Peredo la caille moi mon yo lever dans tête ou maman président mon van et pas te mande comme là non mais moi mon qui dit mon tué plus que 250 moun dans massacre mon van mon saute Peredo la caille moi yo gambe frère l'en voler mal en prison mes amis juste monter lui fait bien fait mal commissaire gouvernement maron frère ok mais frère là non voler puis voler non oui mal en prison parce que me rassembler charbon dit fait sous tête parce que moi me pas contre faire mal me pas contre faire mal tête chargée monsieur me saute marigo là président Lougo mon yo pote me sous tête gien des bagages me dans même choisi pas entrer là dedans pour nèg pas plus raïm ouais on paquet monde qui t'a dit me candidat grande façon me ta candidat c'est pour les on monde dit on fait droit monde pour ces droits monde faire pour pas politique. OK bon maintenant qui j'en mal à fini qui j'en libéré. Finalement, Teriel frappé Red Red. Yore le tribunal dans jugement. Premier ministre fait contact. Ancien PM jout. Yore le tribunal. Moi libéré. Juge la barre rien. Que moi innocent. Yo libéré après 10 ans. Yo pas rien qui gen pour avec vérité. Dans sa pièce, je pense que dit quoi. Donc, mes gens sont base en rapport que une organisation de droits humains produit dans le pays. Tu as voulu mener deux nègres dans la prison aux États-Unis, plus permettre que les familles ont quitté le pays. Bon, c'est parce que tu as jugé que l'embête est important pour eux. Et dans l'audition, le département d'État dit que yo dim ici aux États-Unis que là où tu vas parler depuis là aux États-Unis là. Oui. On a ça c'est façon pareil que tu parles même. C'est clair. Yo dim ici aux États-Unis yon preuve yon témoin vaut 10 000 preuves pour nous. Que on te dit exactement dit mon cher dit États-Unis américains sont peuple moral donc comme pas besoin aux États-Unis même m'pa wè moralité a. Parce que yo accepté y a mandé pour me faire mentir juste pour arrêter moi. Je ne vais pas défendre Lambert, je ne vais pas contre Lambert. Yeah. Ok, je ne vais pas contre Lambert. Et Lambert paraît même tout. Ouais. Pendant que je me suis pris dans contre Pierre Espérance, on est au fin sale dans un homme comme ça, je ne vais pas faire confiance non plus. Mais même moi, je voulais être honnête. Eh bien. Pour me faire différence entre moi et Pierre Espérance et Mario Lengil et Luc Mandelil. Eh bien. L'on libéré qu'on y a là, donc qui contacte qu'on y a avec Pierre Espérance? Je ne vais pas la veille. Mais il y a des gens qui parlent avec moi, qui disent que pas quitter le pouvoir après tête moi, pour me persécuter Pierre, pour me craser RNDDH, pas entrer dans la logique ça. Bon, moi-même, je n'ai aucun contact avec le pouvoir. Et moi, je dis ça que je ne suis pas un des gens. Je ne suis pas un comportement ça. Je suis professionnel. Je dois plus qu'à mon monde de travail. Eh bien. Moi, je suis libéré, même le loyer me préoccupe. Donc vous maintenez tout ce audio là. Moi maintenir. Tout ce audio là. Oui. Moi libéré, moi va gagner 3 mois. Tout ce audio là engagé. Yo engagé chez Sonzano. OK. OK. Moi libéré, même loyer que moi même moi pas coupé. OK. Avait dit moi pas gagne comme. Si me gagne comme si me dans bagaille pouvoir, on t'a joine on est qui t'a dit mon cher, m'a payé ça pour. Très bien. Avait dit moi gagne problème logement là. On est qui gagne problème logement. Pas dans pouvoir, m'pas gen kòp. Si on a gen problème avec la justice, soit persécuter tout le monde, m'en pas ka parce que mande justice pour dire c'est pouvoir qui a utilisé. Est-ce qu'on connaît Chelson Sanon interview ça vin for vin au monde qui plus fragile? Oui, moi comme ça. Parce que yo ka éliminé là. Yo ka éliminé m'a toujours dans l'arrière. Est-ce qu'on ça? Ya. Est-ce qu'on connaît que interview ça? Moi comme ça. Comme dans l'émission Matin Débat. Matin Débat. Il vient faire de où un monde qui vient plus fragile. Plus fragile. Et que vous éliminez dans la rue. Et moi conscient de ça. Moi conscient de ça et puis tout ça que moi dit là, yo engagé. Très bien. Donc vaut mieux que moi ta mouri. Moun yo konn vérité. Moun yo konn vérité. Très bien. Et puis tout pour Pierre Espérance suspend lever un bon matin. Ouais. Parce qu'on dit on défendre droit moun yo ou c'est un monde que société a gain plus confiance. De pour dire un bagage c'est l'évangile. Donc moi-même, moi t'arrêter pour Pierre Espérance pas continuer créer